Allô tout le monde! On se retrouve pour un nouvel entraînement ensemble ici sur YouTube. Ça va être un entraînement tout aussi intense que le premier que nous avons fait ensemble, mais par contre, il va être découpé d'une façon différente. Première partie, renforcement musculaire, et deuxième partie, cardio intense. Donc, on va d'abord faire un bon 20 minutes de renfo à l'aide d'une chaise. C'est le seul matériel dont vous aurez besoin, ou ça peut être votre canapé, un banc, peu importe, quelque chose qui peut supporter votre poids. Et ensuite, on aura un 15 minutes intense pour bien suer les dernières gouttes qui nous restent et transpirer toutes les calories qu'on ne transpire pas parce qu'on est enfermé chez nous. Donc, on va s'échauffer rapidement. Je vais vous montrer les exercices du premier bloc et on va pouvoir tout de suite attaquer ensemble. Donc, pour s'échauffer, on va partir pour commencer sur une série de 15 squats. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Maintenant, on va échauffer toute la ceinture scapulaire. Placez-vous dans une position de planche. Et 10 fois, on va pousser pour venir ici un chien tête en bas. Et quand on revient, bougez. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dernier 10. Good. Et maintenant, juste pour terminer le réchauffement, on va faire 30 jumping jacks, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 29 et 30. Ok, je vous laisse prendre une gorgée d'eau. Le temps que je vous démontre des exercices, de vous cadrer mieux pour pas avoir ma tête qui manque tout le long. Ok, ça me semble pas mal. Donc, avec notre chaise, on va faire un circuit, 40 secondes d'effort, 10 secondes de pause pour 8 exercices. Cette boucle-là, on va la faire 3 fois. Notre premier exercice, ça va être des fentes bulgares. Donc, squat à une jambe. Vous posez votre pied arrière sur votre chaise. La jambe bien éloignée. On ne veut pas que le genou vienne dépasser les orteils. On descend ici en essayant de se pencher un minimum en avant. Moi, ce que je fais, c'est que je m'imagine que j'ai ma barre sur mon dos. Ça m'aide à me tenir droite ou les mains sur les hanches. 40 secondes la jambe droite, 40 secondes la jambe gauche. Ensuite, on part sur des dips. Dips, plus vos pieds sont loin, plus c'est difficile. Plus vos pieds sont proches, plus ça aide. On descend, les coudes bien derrière et on pousse. Ça va nous travailler le triceps et l'épaule. Ensuite, on va partir sur des squats pistons alternés. Vous asseyez sur votre chaise, vous levez une jambe et vous vous relevez de votre chaise seulement sur une jambe. Et on échange. Et on alterne pendant 40 secondes. Ensuite, on passe sur des push-ups. Un peu plus facile parce que nos mains sont surélevées sur la chaise. Et on vient, hop, porter la poitrine à la chaise en conservant un dos bien droit. Ensuite, hip thrust, les pieds sur la chaise pour arrière de la cuisse et les fessiers. On pose les talons et on monte. Hop. Et ensuite, nos deux derniers exercices. Un exercice abdominaux, le rameur, ici, hop. Tac, tant, tant, tant. Et le dernier, montée de step. Vous pouvez avoir deux alternatives. Soit, hop, vous venez pousser ici. Soit vous faites simplement monter et descendre de votre chaise. Donc, j'espère que vous êtes prêts. De toute manière, on fait ça ensemble.
Vous avez juste à m'imiter tout le long. Placez-vous un pied sur une chaise. Premier exercice, fin de bulgare. On se met un peu de musique. Et on va partir dans 3, 2, 1, c'est parti. 40 secondes, fin de bulgare. On descend bien bas. On veut rester quand même ferme et musclé. Pas faire que du cardio. Allez, on respire 5 secondes. Et 10 secondes de pause pour venir échanger de jambes. Alors ben, voici mon merveilleux chez moi. Un peu petit, mais bon, confinement oblige. C'est ici qu'on va se retrouver maintenant. Pensez toujours bien expirer, gérer le cardio, contrôler ses battements de cœur. 20 secondes. Et break. On va venir se positionner pour les dips maintenant. Donc, coude bien collé en arrière. Vous placez vos jambes selon vos capacités ou vos courbatures. Si vous êtes comme moi et que tous les jours vous vous défoncez dans votre salon ou dans votre chambre, peu importe l'air, peu importe la durée, essayez de bouger tous les jours, sinon on va se retrouver avec des corps et des cerveaux inaptes quand on va pouvoir enfin sortir. Allez, on lâche pas, 8 secondes. Et break. Maintenant, on va s'asseoir sur la chaise avec des squats puissants alternés où on monte et on descend sur une seule jambe. La jambe que vous mettez en l'air, pas besoin d'être haut. Tout ce que vous voulez, c'est qu'elle ne touche pas par terre. Pas besoin d'être souple, une grande ballerine et monter la jambe dans les airs comme ça. Allez, on respire. Sur les genoux, par terre. Allez, on est parti. On essaie de garder son corps bien gainé. Et on respire, on souffle quand on pousse. On inspire quand on descend. 20 secondes. Juste mes talons sur ma chaise pour que ça vienne engager davantage l'arrière de la cuisse.
On vient s'asseoir sur la chaise. Pour le rameur, abdos, on va venir ici pivoter et développer d'un côté et de l'autre. C'est parti. Dernier exercice du cycle, montée, descente de step ou montée dynamique, à votre choix. C'est parti. À présent, on a une minute de pause, ou peut-être un peu moins, ça dépend de ma gentillesse. Je pense à tous mes élèves qui sont très grands et qui vont possiblement se cogner à leur plafond en faisant ça. J'espère que ça va. Moi, je commence à avoir la petite sueur. C'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Je sais pas pour vous, mais pas être capable de bouger partout dans tous les sens comme une pile électrique, ça va finir par me ronger les os. Allez, replacez-vous sur votre chaise. Une jambe sur la chaise, une autre jambe bien avancée. Et on s'en va pour recommencer dans 3, 2, 1, c'est parti. Hop. On garde le dos bien droit en dessous. Donc, comme d'habitude, un full body. C'est sûr que si vous ne pouvez pas sauter chez vous, si vous voulez dépenser beaucoup d'énergie et transpirer, favorisez tous les mouvements polyarticulaires qui bougent tout le corps en même temps. Et les mouvements de jambes, parce que les jambes, c'est des gros muscles qui demandent énormément d'énergie. 5 secondes. Et 10 secondes pour changer de jambe, détendre un petit peu. C'est parti. On va passer au dips. Les coudes bien en arrière. Abdos gainés. On respire, c'est parti. Break. Ok,
Et on va se placer pour le squat piston. Se relever de la chaise sur une jambe. En action de deux. Pas se donner trop d'élan. On pousse la hanche vers l'avant quand on remonte. Hop. Alors évidemment, plus vos chaises sont basses, et plus c'est difficile. Alors si vous êtes des warriors, et que vous avez des enfants, avec des petites chaises d'enfants, vous pouvez vous essayer à faire l'exercice là-dessus. Ça va être vraiment plus difficile. Allez, on lâche pas, 3, 2, 1. Et c'est terminé. On passe au push-up. Prenez votre temps, on veut tenir les 40 secondes. Donc, vous faites les reps que vous êtes capable de faire dans ces 40 secondes. Hip thrust, talons sur la chaise et on monte bien au bassin. On expire quand on monte. On lâche pas, 20 secondes. Dernier exercice pour cette deuxième boucle, montée descente de step ou propulsion dynamique, brisage de plafond, c'est parti. Repartir pour une dernière fois effectuer ce circuit renfo avant qu'on passe au cardio. Je sais vous êtes pressés de vouloir me tuer. J'en profite dans cette pause pour vous dire vraiment merci de tous les messages que vous m'envoyez, comme quoi vous avez fait la séance, que vous l'avez aimé, que vous ennuyez, que vous avez envie de bouger. Ça me rappelle que j'aime beaucoup mon travail et que j'aime beaucoup mes élèves.
Sur ce, avec tout mon amour, je vais vous continuer de vous faire souffrir. Placez-vous, enfant bulgare, jambe gauche sur la chaise, jambe droite prête à faire vos fentes. Dernière boucle de ce circuit muscu. Et après, on s'en va sur le cardio. Alors, je vous laisse vous placer. 3, 2, 1. Et c'est parti, 40 secondes. Fente bulgare. On lâche pas, je sais pas vous, moi je commence à bien transpirer. Preuve du bon travail. 15 secondes. Change de jambe. On est en place. 3, 2, 1 et c'est parti. Aussi, si vous avez un niveau avancé et que à la fin de cette séance, vous dites que vous pouviez vous pousser encore plus, tout ce qu'on fait ici sur la chaise, si vous avez des sacs que vous pouvez remplir de choses lourdes, des haltères, des bouteilles d'eau, tout est toute façon de rajouter du poids pour un effort plus intense et bon à prendre. 10 secondes. Allez, on lâche pas, 15 secondes.
c'est terminé. On passe aux abdos. Plus de deux exercices muscu. Ma sueur sur mon visage ressemble presque à des larmes. Allez, on lâche pas, 20 secondes. Gorgée d'eau et poussez vos chaises, on n'en aura pas besoin pour la deuxième partie. Alors, on est parti, deuxième partie, juste cardio. Alors ça va être beaucoup de mouvements composés. Parce que comme je vous disais, quand on ne peut pas avoir du gros matériel, des cordes, peu importe, et qu'on ne peut pas non plus trop checker le plancher pour les voisins, la meilleure chose à faire, c'est de trouver des mouvements qui lient tous les groupes musculaires ensemble, ce qui va vous faire taper dans le cardio, même si vous ne courez pas, même si vous ne sautez pas. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour celui-là, on va être sur du 30-10. 30 secondes d'effort, 10 secondes de break. Ça va passer très vite. On va faire 3 fois le circuit et on va être éclaté. Donc, premier exercice, on va partir dans une position de fente et qui va transférer dans un squat jump. Donc, je m'explique. On est en fente ici et tout de suite, je saute, j'atterris en squat et je change ma fente. Hop. Ce qui fait que on ne fait pas un saut très haut, pas avec un gros impact, mais ça va venir vraiment taper dans les jambes et du coup dans le cardio. Deuxième exercice, mountain climber, mais avec une option de taper. Donc si vous êtes plus confortable juste en mountain climber, vous allez venir simplement ici en stabilisant. Et si vous voulez essayer l'option taper, c'est que je viens simultanément rapprocher ma main de mon genou ici, ce qui va amener une grande instabilité et encore une fois taper dans le cardio un maximum. Troisième exercice, planche jack. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer. On est en planche, on essaye de bouger au minimum notre dos et on va faire des petits sauts pour ouvrir et fermer les pieds. Mais évidemment, la grosse partie du travail, c'est d'essayer de garder le dos le plus stable possible. Donc de gainer dos et abdos au maximum. Quatrième exercice, squats qui vont pousser pour monter sur la pointe des pieds. Donc il n'y a pas de saut, mais on se donne une impulse comme si on allait sauter. Et on envoie dans la vitesse, encore une fois, très fatigant, très efficace. Cinquième exercice, on va mettre les mains ici en l'air. Et on va faire saute, saute. Donc, que des petits sauts, un peu comme un équivalent de corde à sauter. Et le dernier, on va faire des toe touch. Donc, vous allez être ici avec la main opposée
on vient toucher, hop, tac, on échange, top. Donc les abdos sont engagés du début à la fin. Et vu que c'est le dernier exercice, ça va juste ouvrir les vannes et nous faire suer comme jamais. Donc placez-vous. On va être parti pour ce premier cycle. En fente, saute, jump, fente, saute, jump pour 30 secondes. Alors, en place et on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Jump et fente, saute, saute, saute. Allez, c'est moins long que l'autre. Alors, on envoie du pâté. 15 secondes. Allez, on lâche pas. 3, 2, 1. On relaxe. Et on va passer sur le climber. Soit régulier, soit tapé. C'est parti. Allez, on lâche pas. 15 secondes. C'est parti, on lâche pas. 5. Et terminé. On va passer sur squat demi-pointe. Mon Dieu, je suis une fontaine. Ouh. Allez, on est parti. Squat monte. Pensez à bien respirer, ralentir votre souffle, allonger vos expirations. 10 secondes. Et break. Oula, lui fesse. On part sur les petits sauts. 3, 2, 1, saute, ouf, ferme, saute. Et je vais faire tomber mon bibliothèque sur la figure. Ah! Allez, on lâche pas. 10 secondes. Avec le toe touch, touchez la jambe opposée. On est parti. Touche et échange. Touche. Allez, on lâche pas. 15 secondes. Et on va repartir pour une autre boucle de ce merveilleux circuit qui nous fait transpirer comme Jaja. Ouh. Dites-vous que ça, c'est les séances typiques que je fais tous les jours. La muscu, abdos, gros cardio,
peu importe l'heure à laquelle je me sens motivée. L'autre jour, je me suis entraînée à 11h. De toute façon, hein, on n'a plus d'horaire, on n'a plus d'horaire. Hein. Ok, quand vous êtes prêts, même si vous n'êtes pas prêts, parce que je ne peux pas le savoir, placez-vous, fente, qui se transforme en squat jump, deuxième boucle du circuit, on part dans 3, 2, 1, c'est parti, fente, into squat jump, et on lâche rien. Allez, 3, 2, 1, et terminé. Climbers. Régulier ou tapé. On est parti. C'est parti. Allez, on lâche rien. 15 secondes. Ensemble. Ouh. Ah, vous pouvez pas dire qu'on brûle pas de calories là. Oh mon petit Jésus. Et on monte, squat. On souffle. Allez, on lâche rien. 10 secondes. Sur cet exercice, on travaille toute la jambe en plus du cardio. 2, 1, break. On va passer au petit saut. Un haut dans les airs ou ferme. Dans les airs ou ferme. C'est parti. On lâche rien. On est tous ensemble dans cette même galère. 10 secondes. Et break. Et on va terminer avec le toe touch. Et après ça, il nous restera juste une boucle. Allez. On est parti. Toe touch. Échange. Poup. On respire. Ouh. 10 secondes. Deux. Un. Et pause. Pour ensuite faire une dernière fois ce 4 minutes infernal. Qui va clôturer cet entraînement plus qu'efficace. Oh. Je sais pas si c'est parce que je tchatche en même temps, mais je suis déglinguée. Ok. Quand vous avez pris votre gorgée d'eau, se replace, en fente,
pour après aller en squat jump. Dernier 4 minutes. On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 15 secondes, on ne lâche rien. Ensuite sur les climbers, 2, 1, c'est parti. Allez, on souffle, on est des guerriers. 15 secondes. On est bien contracté. On respire. 15 secondes. Allez, on lâche pas, on respire. Le plus dur est passé. En tout cas, selon moi. 15 secondes. 10. 2. 1. Break. Deux exercices seulement. Les petits sauts. Un haut dans les airs, un qui ouvre et qui ferme. C'est parti. Comme tout, on est sur des intervalles en secondes. Alors, selon votre niveau, vous allez plus vite ou plus lentement. Tout le monde y trouve son compte. Et 3, 2, 1, break. On va terminer avec notre toe touch. Petit gainage pour s'achever. 2, 1, c'est parti. Allez, on respire, c'est la fin de ce training. 15 secondes. 10. Je vous applaudis de chez moi. C'était pas un facile celui-là encore une fois, mais je vous fais confiance pour tous l'avoir fait jusqu'au bout. Je vais pas vous étirer, sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais bon, vous savez comment faire. Ou sinon, il y a des vidéos de stretching. Il y a plein de bons comptes Instagram partout. Inspirez-vous à fond. Faites ce que vous n'avez pas le temps de faire, jamais. Dormez si vous avez un rythme de fou. Et je pense bien fort à vous. On a su ensemble aujourd'hui. Bien joué.